Bonjour à tous et à toutes, chers adorants de BHC. Nous continuons avec la prière. Un jour, un couple qui n'avait pas d'enfants pendant de longues années sont venus chez Rabbi Levi Yitzhak Berditchov, je crois, peut-être c'était le Kotzki Rebbe. Je ne me rappelle plus exactement, ce n'est pas très important. Quoi qu'il en soit, ils demandent au Rav de prier pour eux. Et ils sont prêts, bien entendu, à donner de l'argent, pidyon nefesh, pour se racheter. Et le Rebbe leur dit, ok, je peux prier pour vous, ça va coûter 20 écus d'or. C'est une somme astronomique. Le mari dit, mais Rebbe, on n'a pas cette somme-là, on est des simples gens. Il dit, désolé, moi je suis sans 20, moins de 20 écus, je ne peux pas faire une prière pour une chose pareille. Pour avoir des enfants, c'est, je ne peux pas. Alors, il dit, peut-être si on vend notre maison, mais même si on la vend, le maximum qu'on pourra en tirer, c'est 15 écus d'or. Le Rav peut faire une petite remise, quelque chose. Désolé, moins de 20 écus, je ne peux pas faire rien. Je peux pas, je prie pas pour moi. Alors il dit à sa femme, peut-être que tu vends le peu de bijoux que tu as, on arrivera peut-être à 17, 18 maximum. Rebbe, ça va 18. Rien à faire. Moins de 20, je n'ouvre pas la bouche. Ça ne vaut pas le coup pour moi. Alors la femme, elle dit à son mari, tu sais quoi? On n'a pas besoin de lui. Viens, on va à la maison, on va prier tout seul. C'est dommage pour tout cet argent jeté à la poubelle. On va prier. On peut prier nous aussi. Nous aussi on est juifs, nous aussi on peut prier. Ah, le Rav dit, si c'est comme ça, maintenant je vais prier pour vous. Il n'y a pas besoin de donner d'argent. Jusqu'à quand, tant que vous croyez que la prière c'est moi qui vais la faire pour vous, ça, elle ne va pas servir à grand chose. Quand vous avez compris que la prière coûte beaucoup, beaucoup d'argent et qu'on peut faire le jackpot avec la prière et que votre prière, elle vaut pas moins que la mienne, alors vous avez tout compris. Moi, ma prière va peut-être un peu aider, mais comme on l'a déjà dit dans le passé, la prière de celui qui a le problème, elle est beaucoup plus écoutée dans le ciel. Donc quand vous, vous priez, c'est une prière qui vaut beaucoup plus. Moi, j'ajoute un petit grain de sel. Mais votre prière, c'est elle qui est la plus importante. Alors, be'atzlacha dans votre prière.